En ce jour de porte ouverte dans le lycée Le Comte de Dille, des élèves de la seconde 209 plantent du conflore à l'aide de diverses méthodes et matériels de jardinage, comme la permaculture et des outils traditionnels comme la grelinette dans le jardin de l'établissement. C'est maintenant dans une salle de classe que nous retrouvons les élèves qui fabriquent la farine de conflore. La racine a été râpée préalablement dans un récipient où l'on a rajouté de l'eau. On fait appel à la décantation, puis le contenu est filtré pour que l'amidon de conflore soit récupéré. Ce n'est pas si facile que ça. Et là, on va passer à la troisième phase de fabriquer la farine. La farine de conflore permet la fabrication de plusieurs produits comme les gâteaux et des crèmes de fruits. Un pâtissier professionnel et des élèves ont confectionné des biscuits et autres pâtisseries à base de farine de conflore ou même de racines. Thank you.